Begin after eight taps. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Salut mes petits cadavres, bienvenue dans cette vidéo sur le maître du savoir. Oui, on y revient, il y avait un petit détail que j'avais pas évoqué parce que j'en sentais pas spécialement la nécessité. Et il se trouve qu'en fait, vous avez été nombreux, relativement nombreux, hein, pas des millions, mais j'ai eu plusieurs questions sur qu'est-ce que j'avais mis comme essence exactement dans mon stuff et pourquoi. Ce qui est une bonne question en soi, et du coup je me suis dit, tiens, bah, on va y répondre, puisque mon maître du savoir a... plus ou moins, à un objet près, fini son stuff. Oui, j'ai toujours pas réussi à choper une bague avec emplacement, malgré mes nombreuses batailles de Pelargir faites tous les jours. Ça veut pas tomber, alors que mon champion, lui, il en a chopé 3. Avec une malédiction très rigolote, c'est que mon champion ne chope que du stuff pour tank. Donc j'ai gagné 3 bagues avec emplacement pour tank, je ne tombe que sur des bijoux... qui ont énormément de vita, de la parade, enfin tout ça, donc des bijoux dont je me cogne complètement, je sais pas trop pourquoi il est coincé sur une spé tank qu'il n'a pas, mais bon, on va dire qu'à mon avis dans le jeu il y a une variable qui doit merder quelque part. Mais en tout cas pour le maître du savoir, rien du tout, donc à défaut d'avoir cette bague là, j'en ai une autre, mais c'est pas celle qui est normalement prévue pour le stuff final. Pour répondre à votre question, c'est pas bien compliqué, il suffit de regarder quelles sont mes stats sans avoir aucune essence sur le dos. Et je les mets là devant vous. Vous voyez qu'en fait j'ai une vitalité, un score de vitalité qui est à 2659 quand j'ai aucune essence sur moi. Un score de volonté qui est à 3765. Un score de critique qui est à 8600 et des brouettes, ce qui m'amène à 17% de critique, ce qui est faible. Ce qui est relativement faible, on voit que j'ai une carence en critique claire et nette. Un score de finesse à 9371 qui m'apporte 19% de réduction de BPE chez mon adversaire. Je vous rappelle hein, que c'est divisé par 3. Donc j'applique 19 divisé par 3 à son esquive, à son blocage, à sa parade. C'est pas énorme, c'est clairement pas énorme. J'ai une maîtrise de 42182, ce qui m'apporte plus 122% de dégâts. C'est pas géant non plus. J'ai une résistance à 18748, ce qui m'offre 32% de chance de résister au sort, et ça c'est quand même plutôt bien. Ma résistance physique est 3101, ce qui m'apporte 17% de réduction des dégâts physiques. Ce qui n'est pas géant. Et ma résistance tactique, elle est à 4908, elle m'apporte 23% de réduction des dégâts tactiques. Ce qui est un poil mieux, mais pas non plus délirant. Et j'ai un moral de 11993, ce qui est bas, mais comme je vous le dis, il me manque toutes les pièces de stuff qui ont des essences. Regardons plutôt ce que j'ai mis comme essence. Si je détaille, vous voyez que je vous ai mis mon personnage avec des petites cases représentant les emplacements d'essence. Dans le casque, j'ai mis une essence de maîtrise tactique, une essence de volonté, une essence de morale, et après réflexion, une autre essence de volonté. J'aime beaucoup la maîtrise tactique, hein, ça augmente le score brut, c'est génial, mais l'essence de volonté, si elle apporte moins de maîtrise tactique, apporte aussi de la résistance. Et pour le coup, ça me permet de me caper un peu plus facilement en résistance et de mieux résister aux affaiblissements. Vous voyez que je ne précise pas si ce sont des essences gold ou bleu ou violette ou quoi au caisse. Moi ce que j'ai fait c'est que quand j'avais que du violet, j'ai mis du violet, quand j'ai eu du bleu, j'ai mis du bleu, et quand j'ai du gold, je mets du gold. Il se trouve qu'actuellement le stuff est quasiment full bleu avec on va dire la moitié de gold, grosso modo. Quand j'en chope, j'en mets, quand j'en ai pas, tout simplement. Si on regarde la pièce numéro 2, les épaules, j'ai mis volonté, morale, maîtrise tactique, maîtrise tactique. Vous verrez que je suis très vite revenu sur faire le stuff à moitié vita et à moitié morale.
Il se trouve que bah, l'essence de Vita, bof quoi. Clairement bof par rapport à une essence de morale. Désolé pour les concepteurs du jeu, mais du coup je vous déconseillerais presque de mettre des essences de Vita, alors que je vous conseillerais de mettre quand même des essences de volonté à côté des essences de maîtrise tactique. La volonté garde un intérêt certain, alors que la Vita elle, se fait un petit peu balayer par la somme de morale max qu'elle apporte. La tunique maîtrise tactique, volonté, morale, critique. On va dire que c'est l'équilibre classique. Hein. J'ai ma maîtrise tactique pour quand même apporter un score sympathique. Ma volonté pour compléter ce score et amener de la résistance. Le moral pour les points de vie et le critique parce que c'était une des deux stats basses. Les stats basses, c'est critique et finesse. Du coup, j'en place une ici. Au niveau des gants... Double maîtrise tactique, volonté, morale max. A savoir que mes gants m'apportent énormément en termes de DPS. Mais toujours la petite essence de volonté. J'avoue que j'aurais peut-être dû enlever une des deux maîtrises tactiques pour mettre critique ou finesse. Et peut-être que c'est ce que je ferai un jour, je verrai. Enfin, pour l'instant, je me débrouille bien comme ça, j'en suis assez content. Au niveau du pantalon, maîtrise tactique, morale, volonté, finesse. C'est là que j'ai placé une essence de finesse, en plus une essence supérieure, le temps de trouver une gold. Je sais pas ce qu'elle apporte en plus, la gold. Ça doit être de la résistance, je pense, mais pas grand chose en plus, mais c'est toujours mieux finalement d'avoir ce petit bonus en plus. Si vous pouvez mettre des golds, vous privez pas. Et niveau bot, j'ai mis morale, volonté, maîtrise tactique, volonté. Et j'ai mis deux de volonté au lieu de mettre deux tactiques. Tout ça pour arriver au final avec... Comme vous le voyez, ma vitalité qui n'a pas bougé, puisque j'ai pas une seule essence de vitalité. Ma volonté qui est passée de 3700 à 5500. Mon critique, il a pas fait un bond énorme, hein. Je suis passé de 8006 à 9008. Je n'ai qu'une seule essence de critique, ça m'amène à 18,5 de critique, ce qui est vraiment pas beaucoup. Je vous avoue que quand je chopperai la bague avec l'emplacement d'essence... Je pense que je mettrai dedans une essence suprême de critique. Tout simplement pour essayer de me caper un petit peu plus. La finesse est passée de 9003 à 13100. Ce qui est déjà mieux. Vous voyez, je passe de 19% à 24%. Déjà un peu plus intéressant, mais on n'est toujours pas capé. Alors la maîtrise, bien sûr, elle explose hein, quand vous êtes DPS. Ça fait partie des essences que vous adorez. Je passe donc de 42000 à 66000. La résistance était à 18700, donc 32%, elle est passée à 22352, 36,3% de chance de résister à un sort. La résistance physique, elle a pris un bon gros boost. Elle passe de 3100 à 9100, donc je passe de 17 à 33% de réduction des dégâts physiques. Et la résistance tactique, elle est à 4009 et elle passe à 7009, 30,6%. C'est pas capé, vous voyez que je ne suis clairement pas capé au niveau de mes stats. Mais comme je fais pas de T2, c'est des valeurs, on va dire, qui me permettent très largement de faire mes batailles épiques, à 6 ou en solo, de faire les quêtes, y compris de communauté tout seul quand mes potes sont pas là. Et le moral, lui, il passe de 11900 à 17148. J'aurais bien aimé franchir le cap des 18000, qui est un peu symbolique, je sais pas trop pourquoi en plus. Mais non, ça sera pas le cas, je vais rester là, je pense. Peut-être même un petit peu descendre, enfin ça dépendra de la tête qu'aura la bague avec emplacement d'essence que je vais looter. Et pour répondre à une question qui est un peu liée et qui m'a été posée, est-ce que je vais prendre la babiole qu'il y a avec les menaces itinérantes qui a deux emplacements d'essence? Ben non. Clairement non, parce que ça voudrait dire me passer d'un des bonus de 7, des bijoux, des batailles épiques, qui sont vraiment pas dégueux. Et il se trouve qu'en fait, je pense que je vais très largement éviter cette babiole qui a pas des valeurs terrifiantes, et les deux emplacements d'essence me priveraient de trop de choses au final. Vous avez devant vous à peu près les valeurs que je vais avoir tout le temps. À une près. Voilà, je pense que c'est le critique qui augmentera... Bah de 1229, sauf erreur, c'est la valeur d'une essence de critique importante. Je vais arriver sûrement à, je pense, 20% de critique. Ce qui sera très très largement suffisant pour ce que je fais avec mon maître du savoir.
Voilà les cadavres, vous avez décortiqué mon maître du savoir tout autant que moi. J'espère que ça répondra à certaines de vos questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à les poser. En attendant, je vous dis bon jeu. À ciao dans le jeu certainement. Merci pour ceux qui m'envoient des petits messages de soutien dans le jeu, ça fait toujours plaisir. À ciao les cadavres !